Good morning. Allez, Yid Agnesus aujourd'hui le Nishmat, Machlouf Micha ben Masuda, Nachman Yosef ben Nachum, Avram Chaynor ben Ben Fortuné Mazal, Dov ben Yudit et Nissan ben Mafred. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Amid Perek Bet, Mishnah Dalet, Seder Amaracha Gedola, Mizracha, Sider Amaracha Gedola Mizracha, Vachazita Mizracha, Vachah Gizrin Apnimiim Ayonogin Batapuach. ורווח היה בין הגזרים שהיו מציתים את העליתה משם. Dans le Perek Bet, on a expliqué comment les Kohanim montaient sur le Kevesh, sur le Mizbeach par le Kevesh. Une fois qu'ils arrivaient là-haut, il fallait réorganiser le Mizbeach. Ouais, le feu qui est en train de brûler, on va expliquer maintenant dans cette Mishnah, c'est les trois Maharot. Pour le moment, on prend de manière générale, il faut ramener des nouvelles bûches de bois pour les brûler, pour avoir un feu de meilleure qualité. Donc il y avait tout un travail, comment retirer les restes des membres qui étaient restés présents, pour pouvoir prendre ensuite les cendres et les faire monter sur le tapouar. Et maintenant, les Kohanim venaient réorganiser le bûcher en apportant des nouvelles bûches de bois. Maintenant, la Mishnah m'enseigne, Sider Amaracha Gdola Mizracha. La première Maharacha qu'il va organiser, c'est la Maharacha Gdola. La grande Maharacha, le grand bûcher, il va la mettre Mizracha, sur le Mizrach. Vous rappelez les points cardinaux? Toujours on rentre de l'est vers l'ouest. Et on a à droite le nord et au sud l'ouest. Au sud le sud. On s'est compris. Oma Tsafon et Darom. D'accord? Le sud, quoi, qui sont. Retenez, c'est un moyen mnémotechnique très simple. Retenez, vous connaissez tous le pasuk Veshachat Oto al Yerecha Mizbeach, Tsafona Lifnei Mizbeach. Tsafona Lifnei Hashem. Toujours les korbanot, le Kodesh Kodeshim, on l'a fait Batsafon. Regardez Batsafon, si vous avez l'image en tête, regardez qu'ici on a les Tabaot. C'était ici où est-ce qu'on égorgeait les animaux. Il y avait des anneaux qui sortaient du sol pour pouvoir bloquer les animaux à plat par terre, pour voir le Fera Shreta sans qu'ils bougent dans tous les sens. Donc, si vous avez un petit peu cette image en tête, vous pourrez très facilement vous rappeler que le Tsafon, il est là, puisqu'ici, on égorge des animaux. D'accord? Personnellement, c'est comme ça que ça, je fais, je m'en souviens, quoi. Donc, en tout cas, je reviens maintenant. Là, on a l'ouest, le Maharav, et ici, on a le Mizrach. Regardez, quand on monte sur le Kevesh, on va organiser le premier bûcher qu'on va organiser, c'est celui-ci, celui qui est au Mizrach, la Maharacha Gdola. Pourquoi est-ce qu'on dit la Maharacha Gdola, le grand bûcher? Le Barthénora nous rapporte qu'il y avait de manière générale trois bûchers, qui étaient trois feux qui étaient allumés sur le Mizbeach. Maharacha Gdola, Maharacha Shnia Shakdoret, et la troisième, c'était juste une Maharacha pour soutenir le feu, pour maintenir le feu. C'est-à-dire, pour la Ktoret, tous les jours, il fallait allumer la Ktoret qui se trouvait ici. Le Mizbeach Apnimi, il est ici. Mais il fallait prendre des braises qui brûle sur une maracha spéciale du Mizbeach, pas la grande, mais la deuxième, celle qui est ici, quoi. Il fallait en prendre et la faire entrer dans le Echal pour pouvoir allumer le Mizbeach Hazal. À part ça, il y avait une autre petite maracha, un autre petit bûcher, parce qu'il y avait une halacha, « Eshtamid tukada le Mizbeach le tirbe » il faut qu'il y ait toujours un feu allumé, dans toutes circonstances, qu'il y ait un feu allumé sur le Mizbeach. De ce fait, on allumait un feu spécial à part, il pouvait être là, on pouvait le déplacer, on aura l'occasion encore de découvrir Bezrat Hashem au fil du temps, que le Shabbat, il y avait même une maracha supplémentaire, et un petit peu, il y avait peut-être aussi une maracha supplémentaire, c'est une mishnah explicite dans Maseret Yoma. Pour notre propos, nous revenons sur la Mishnah, donc il fallait organiser la maracha gdola. On la faisait où? On la faisait au Mizrach. La mito Mizrach, il y avait le premier Kohen qui déposait ses deux premières bûches, et puis après les autres posaient aussi les autres bûches selon un ordre spécial que la Mishnah enseigne. Vachazita Mizracha. Il fallait mettre sa face à l'est. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a, on va expliquer d'abord, c'est quoi la face et l'arrière du feu, du bûcher. Si c'est des bûches, vous les entreposez, eh bien, il n'y a pas de devant et de derrière, c'est quoi cette histoire? La raison, elle est très simple. C'est que, il y avait en fait, lorsqu'on entreposait les bûches, bah, dans le dessin, ils ont fait un joli quadrillage, mais c'est pas vrai, c'est pas un quadrillage aussi net. C'est un quadrillage où il y avait, d'un côté, une ouverture assez profonde pour pouvoir... allumer le feu, il fallait mettre loin des petites brindilles qui brûlaient et les mettre assez profondément, le plus au centre, premièrement. Deuxièmement, le Tifertisol rapporte encore que
il fallait un petit courant d'air qui va passer en dessous, comme ça, l'air qui va, le feu, l'oxygène qui va oxygéner le feu va faire qu'il va mieux prendre. Donc en fait, il fallait laisser une petite ouverture. Cette ouverture-là, on la faisait du côté est. Tandis que du côté ouest, il fallait que les bouts, les deuxièmes bouts des bûches touchent le tapoir. Ouais, la Mishnah m'enseigne comme ça. Verashe agizrin apnimim ayonogin batapuach. Donc c'est ce qu'on a vu. Vachazita mizracha. La face, elle était, on la mettait au mizrach. C'est-à-dire la petite ouverture où il y avait, comme on a dit, chalon ou pétach. Il y a deux choses. Une petite fenêtre, une petite porte. C'était un, il y avait un procédé pour faire que le feu s'allume bien. Donc ça, c'est chazit, c'est la face. On la mettait au mizrach. Varasha gizrin apnimim. Et tandis que les têtes, les autres bouts des poutres, des bûches de bois, eh bien, hayonogin batapuar, il fallait les faire avancer jusqu'à qu'elles touchent le tapuar. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça touche le tapuar? Je l'ai lu tout à l'heure en préparant. C'est qu'aide la tête revach, la main, les anémoires. Ah, pour la simple raison que, comme ça c'est rapporté dans Tiferet Israël, il a fait un super travail dans tout le chasse, le Tiferet Israël, j'adore quoi. Il apporte des petites remarques, chaque fois, des choses qui ne sont pas écrites nulle part. Il réfléchit, il propose des pshatim, c'est très, très joli quoi. En tout cas, sur le toit du Misbeach, les Kohanim, ça leur arrivait de bouger, de faire le tour. De ce fait, on ne veut pas qu'ils se brûlent. Alors on voulait que tu pousses au maximum. Donc de ce fait, on se retrouvait avec les têtes, les extrémités des bûches qui touchaient le tapouar. D'accord? Parce qu'on ne coupait pas le misbar en transversal. On faisait que le tour tout autour. Il y a marqué ici, en petite lettre, vous avez le dessin chez vous. Comme il ouvre, réglé Kohanim, l'endroit où les Kohanim marchaient. Et la Mishnah m'enseigne ce qu'on a expliqué en fait depuis le début. Verevar haya ben agizrin. Et on laissait un espace entre les gizrines, entre les bûches de bois. Shayu matziti meta alita sham. Où là-bas, on allumait la alita. La alita, c'est comment dire? C'est un peu comme un groupe de brindilles de bois où le feu prend très bien, c'est beaucoup plus sec. Le feu prend bien, comme ça on peut le prendre. Et des kessamines, des petits bouts de bois comme des cure-dents secs, qui sont très secs, où le feu il prend bien, un peu comme de la paille, qui prend aussi très fortement. Et bien la même chose aussi, on prenait donc cette alita, la alita, et on allait la mettre, on la poussait au maximum au milieu de ce bûcher qui était assez grand. Et voilà, quoi, comme ça, donc c'est ça ce qu'on appelait, au début de la Mishnah, qu'on appelait que c'était la chazit, la face, aussi. Puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Sacha Kol Tov, ça. Baruch HaShem, j'ai réussi à faire un deuxième shiur.